Moi, salut les amis, et bien espérer avec Jésus en forme. C'est un plaisir pour que nous soyons capables ensemble. Je vous dis à qui c'est samedi 9 octobre. Dans l'objectif pour nous introduire ensemble, bien, troisième leçon, nous avons gagné un guide d'études pour le trimestre. Et bien, avant même que nous entrions dans l'introduction de la leçon ce matin, nous prions le Seigneur. Nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu. Merci parce que chaque semaine, chaque jour, vous faites plein pour être capable de nourrir nous. C'est-à-dire que nous pourrons introduire ensemble la leçon école sabbat, nous avons gagné pendant toute semaine pour nous être capables d'étudier. La bande de Dieu qui est capable d'ouvrir l'intelligence, nous concernons qu'à comprendre et arriver à mettre en application l'enseignement. Ça y est, fait grâce. Maintenant, Jésus n'a pas Amen. Moi, je veux remercier, féliciter, encourager et fort qui ont même arrivé à constater chaque jour pour arriver à étudier le son de l'école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois que ou même on finit d'étudier, vous avez le devoir de partager les sons avec entourage. Et comme ça, plus de monde capable d'arriver à étudier le son de l'école du sabbat. Et si vous n'avez pas de quoi abonner ensemble avec Chanel là, nous encourageons à faire ça. Et encourager entourage ou fait même gens ensemble avec vous. Et ce maintenant, nous avons la troisième leçon dans le guide d'études pour le trimestre. Et leçon ça, nous avons commencé à étudier le début aujourd'hui, qui c'est samedi 9 octobre pour nous arriver vendredi qui est à 15 ans. Et thème leçon ce maintenant, c'est l'alliance éternelle. C'est thème ça que nous allons développer ensemble pendant toute semaine. Et ensemble de textes que nous allons gagner dans le cadre de leçon semaine ça, nous allons gagner Genèse chapitre 12 verset 1 à 3, nous allons gagner Romains chapitre 4 verset 1 à 5, nous allons gagner Exode chapitre 2 verset 24, nous allons gagner Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21, Deutéronome 26 verset 16 à 19 et Deutéronome chapitre 8 verset 5 et Matthieu chapitre 28 verset 10. Ces textes sérieux avec quelques autres encore, nous allons gagner dans le cadre d'études pour semaine. Et verset nous gagnons pour nous mémoriser, c'est Genèse chapitre 17, verset 7. J'établis mon alliance entre moi et toi, toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. J'établis mon alliance entre moi et toi, toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Ça, c'est version française. On va regarder la version créole là. Comment on dit bagaille là? Map kembe contrat mlan avec ou avec toute race ou de petite en petite. C'est pas un contrat cap là pour tout temps. C'est moins cap bon Dieu ou c'est moins cap bon Dieu petite petite ou tout. C'est texte ça nous gagne pendant ce matin pour nous arriver mémoriser qui c'est Genèse chapitre 17. Verset 7. Eh bien, Jean qui nous dit là, leçon ce maintenant, c'est leçon 3, l'alliance éternelle. Eh bien, introduction de leçon 1, il commence avec un texte qui est vraiment connu. C'est Apocalypse 14, verset 6. Il dit, moi, voyons l'autre ange qui t'a volé dans le ciel là, dans le ciel là, il y a une bonne nouvelle éternelle pour le cabaye avec tout le monde qui est sous terre, toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Notez bien, d'après texte, eh bien, bonne nouvelle là, c'est une bonne nouvelle qui est éternelle. Eh bien, il était toujours existé. En effet, eh bien, il était promis par Jésus avant même les temps éternels. C'est-à-dire, nous et bonne nouvelle qui est apprécié aujourd'hui, son bonne nouvelle qui était déjà là. C'est-à-dire, son bonne nouvelle qui est éternelle. C'est pas étonnant que la Bible lui parle de l'alliance éternelle. Non, et quelques passages, donc Genèse 17, verset 7, Ésaïe chapitre 24, verset 5, Ézéchiel chapitre 16, verset 60, Hébreux chapitre 13, verset 20. Et parce que et l'essence de l'évangile, c'est l'alliance. Et l'essence de eh bien, l'alliance, c'est l'évangile. Dieu, avec grâce, par amour, lui offre nous un salut que nous-mêmes nous pas mérité. Il y a un salut que nous-mêmes nous pas capables et bien offrir tête. Et en réponse, nous devons aimer bon Dieu avec tout que nous, avec toute force nous, avec toute intelligence nous, avec tout nous-mêmes. Et bien l'amour ça, il doit manifester par l'obéissance à la loi, parce que monde qui dit le connaît bon Dieu, monde qui dit le aimer bon Dieu, et bien l'amour ça qu'il gagne pour bon Dieu, la pousse à garder commandement bon Dieu d'après 1 Jean chapitre 5. Verset 3. Eh bien, ce matin, nous allons étudier ensemble notion alliance. Jean qui même nous présenter dans le livre de Deutéronome. Et nous allons voir clairement tout ça. Eh bien, livre ça,
Eh bien, il dit nous concernant alliance là pendant toute semaine. Nous parler tout qui ça alliance ça tout lui-même les impliquer. Nous parler qui implication qui gagne dans ça que nous relé alliance là. Eh bien, c'est leçon ça que nous parler ensemble pendant semaine là, et c'est leçon 3. L'alliance éternelle, il y a une leçon n'a pour début aujourd'hui pour nous arriver vendredi qui a 15 et verset pour nous mémoriser, c'est Genèse chapitre 17 verset 7. Bien avant même que nous partions, nous prions bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, merci pour étude parole. Aidez-nous pour que nous capable comprendre vraiment enseignement ça et nous capable mettre en application. Fais grâce dans notre Jésus nous prions. Amen. Déjà monsieur de passer une très bonne journée. Bonne étude, bonne semaine et que Dieu vous bénisse.